Coucou, je vais vous faire une ouverture de courrier. Voilà, j'ai reçu deux courriers, dont un. Bah en fait, je viens de vous tourner la première vidéo et en lisant le petit mot, la personne me dit qu'elle ne veut pas que voilà que je parle de ce courrier-là. Donc, je ne vais pas en parler. Je pense que tu te reconnaîtras. Voilà, notamment. Avec une belle enveloppe. Bon, je peux quand même montrer l'enveloppe, hein. C'est pas là, hein. Voilà, comme ça tu te reconnaîtras. Une belle enveloppe comme ceci. Voilà. Donc, si on me demande de pas en parler, je respecte. Je n'en parle pas. Je ne montre pas. Bref, passons. Ensuite, j'ai reçu une lettre de Dani. Elle qui m'a envoyé une grosse lettre. Et je me demande bien ce qu'elle m'a pu bien me mettre dedans. Hop. Une lettre dans une lettre. Voilà. Donc une lettre dans une lettre. Ça, à mon avis, ça devait être pour récupérer le papier bulle des lettres à papier bulle. Ouh, plein de petites choses. Oh, sympa. Alors attendez, je vais chercher le courrier. Bonjour Coco. Alors, je ne vous ai pas montré la carte, pardon. Hop. Alors, un grand merci de découpe. Nanana, nanana. Ouais, alors j'ai eu un problème. J'ai fait un envoi à Dani. Le premier envoi, peut-être qu'elle va le recevoir un jour, mais en tout cas, elle ne l'a pas reçu. Et le deuxième envoi, ah, c'est mignon. Et le deuxième envoi, en fait, j'ai tardé à l'envoyer. Hein. Clairement, moi, c'est. De ma tête de piaf, c'était prêt, mais j'ai tardé à l'envoyer. Voilà, enfin, bon, bref. Bon, au final, tout est bien qui finit bien. Le courrier est arrivé chez Dani, donc nickel. Oh, un petit porte, porte petit papier là, c'est mignon. Oh, c'est très sympa. Regardez, hop, et ça, on peut le mettre sur une étagère comme ça. Et il y a des petits. Comme des petits post-it, hein. Ouais, c'est ça, c'est des petits marques, des petits blocs, un petit bloc-notes là pour marquer des notes. Ça c'est pour pas que j'oublie, ça c'est ça, pour que je note des choses et que je les oublie pas, comme j'ai pu oublier ton deuxième envoi. Bref. Et ensuite une grande enveloppe comme ça. Derrière il y a l'adresse. Alors, oh c'est joli ça, j'aime beaucoup. Voilà, très jolie cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup. Bah donc, elle m'envoie des petites découpes. Oh, elle est belle celle-ci derrière. Je vais vous montrer les petites découpes. Hop, hop, hop. Ah, avec un arbre de vie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On en voit. Ah non, je suis pas sûre que ce soit un arbre de vie. Parce que les arbres de vie, il n'y a pas les racines avec. Bon, qu'est-ce que t'as, Bobo? Vous entendez, elle pleurniche. Je sais plus. Je sais plus. L'arbre de vie, si c'est avec ou sans la racine. Là, avec un petit oiseau. C'est mignon. C'est fin, j'aime bien. Là, avec la rose. Là, avec un papillon. Là avec. Oh, c'est sympa ça aussi. Hein. Avec la petite fleur. Ensuite, alors là, il y a des pleins et des ajourés. Donc je pense qu'on doit pouvoir les mettre comme ça. Ouais, c'est ça. C'est joli comme ça. Ah, il y a l'ombre. Voilà. Ensuite, là, à mon avis, c'est pareil. On doit pouvoir faire quelque chose comme ça. J'imagine. Ou alors il y a quelque chose de spécial à faire avec ça, je sais pas, faudra me dire. Ça se trouve, il y a quelque chose à faire. Alors je ne sais pas parce que ça, c'est les bonnes dimensions. Alors ça s'en va.
ça s'en va. Voilà, ensuite on a un comme ça et un tout plein. Alors ça, je me demande... Ouais, je crois que ça doit être un montage qu'on doit pouvoir faire. Ou alors, ça se trouve qu'il y a quelque chose à faire. Bah, si on peut m'éclairer, éclairez-moi. Voilà, là, il y a des angles comme ça. C'est très sympa aussi. Et les fonds, là, j'aime bien. Regardez, un fond comme ça avec des fleurs. Et un fond comme ça. Alors ça, il faut avoir vraiment des dies qui découpent super bien. Parce que quand on a des dies qui découpent pas super bien, qu'il faut enlever tous les petits bouts comme ça, c'est fini. Voilà, et là aussi c'est très joli là, je trouve ça vraiment sympa. Ah, c'est des flocons de neige. Ah bah ça tombe bien, regardez, c'est très joli. Merci beaucoup. Hop hop hop. Est-ce que ça rentre dans ta... Oui, ça rentre, bah, je vais les mettre là, comme ça je les aurai sous la main. Mais par contre, si on peut m'éclairer pour l'assemblage là, parce qu'en même temps, il y a ça qui peut aller avec ça, mais en même temps, c'est la forme qui va au milieu de ça. Enfin, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, hein. Peut-être c'est évident, mais peut-être que voilà, que moi là, c'est pas évident. Et après, vous voyez, là, il y a la forme ici. Et c'est la même découpe que ça. Vous voyez, c'est... Je pense que c'est le même... Attendez, hop, hop, hop. J'essaie de le placer bien. Voilà, vous voyez, quand je le superpose, ça tombe pile poil avec les trous. Et en fait, hop. Alors, je sais pas. Donc, si... Hein, bon, bah, je vais pas le répéter 10 fois. Hein. Si vous avez une petite idée, ou si, Dani, tu peux me dire quel montage on doit faire avec ces découpes, bah, ça m'intéresserait. Hop, là. Je vais les remettre dans la petite pochette. Ça m'intéresserait de savoir... comment les utiliser correctement quoi. Après, les découpes comme ça, on peut les utiliser comme on veut, mais s'il y a une méthode pour les utiliser, bah autant que je la sache, autant que je la connaisse. Voilà, que je la sache, ça n'est pas très joli. Voilà, hop. Donc ça et ça et ça. Hop, je mets là, ça je mets là, comme ça tout sera ensemble. Et la carte, là, du coup, j'ai eu le droit à 2 cartes. Alors, je sais pas, je vous ai pas bien montré, en fait, celle-ci. Voilà, une petite carte comme ça. Et après, bon, là, il y a le petit mot. Là, il y a un petit tag. En tout cas, j'aime bien, c'est bien épais, hein, c'est bien solide. Voilà, et... Alors, donc, il y a le petit mot qui est là. Et derrière, encore un petit tag. Ici, qui est placé à l'intérieur. Voilà. Mais j'arrive pas à voir. Non, c'est pas des vraies écritures, en fait, c'est des petits traits. J'ai peur. J'ai peur de louper quelque chose. Il va falloir que je les nettoie, je le dis à chaque fois. Non, c'est ça, c'est des petits traits. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est des écritures que je vois pas bien. Non, non, c'est des petits traits, des motifs qu'il y a dans les ronds, là. Voilà. C'est mignon comme tout, mais merci. Des petits envois qui font plaisir. Et là, le petit papillon, ça, j'aime bien ça aussi. Le papillon qui est collé en plusieurs morceaux. Et en fait, du coup, ça fait du volume, ça fait du relief. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Il y avait 2 courriers, mais vous n'en verrez qu'un. Bien sûr, je respecte. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vous fais des bisous à tous et je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne semaine, bonne tout ce que vous voulez. Là, il y a une demi-perle qui a sauté. Ça devait être là-dessus, je pense. Voilà. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye !